Il se passe des choses sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, sur France 2. Alors qu'il cumule les victoires, le maestro Laurence fait également parler de lui lorsqu'il ne chante pas. En effet, Nagui l'a surpris en plein geste bizarre. Et n'a pas manqué de l'afficher en pleine émission. Depuis le 27 octobre 2023, les téléspectateurs suivent le parcours d'un nouveau maestro dans N'oubliez pas les paroles. Il s'appelle Laurence, il a 23 ans et est doctorant en mathématiques. Le jeune champion venu tout droit de Toulouse ne finit plus d'enchaîner les victoires sur le plateau de France 2. Désormais, un certain lien s'est tissé avec Nagui. Et l'animateur n'hésite pas à taquiner Laurence, comme lundi 13 novembre 2023, en plein show. Alors qu'il venait d'interpréter elle la de France Gall, Laurence a été interpellé par l'animateur de N'oubliez pas les paroles. Vous savez que vous avez un tic? Lui lance-t-il alors. Sans plus attendre, le maestro, qui a visiblement rapidement compris où voulait en venir Nagui, a répondu par l'affirmative. Au cours de sa prestation, le jeune homme n'a pas pu s'empêcher de toucher le bouton de sa veste, comme s'il allait la fermer. Mais sans la boutonner réellement. Et Nagui de reprendre, généralement, les tics on ne s'en rend pas compte. Mais vous savez que vous faites ce geste? Ce à quoi Laurence a répondu oui, précisant qu'il avait déjà fait ce geste avec la tenue précédente. Laurence hilare face à la blague coquine de Nagui si l'époux de Mélanie Page pensait au départ que les vêtements étaient en cause, il n'est rien. Si est-il très bizarre. Vous touchez le bouton sans le boutonner. Vous tripotez le bouton en fait, poursuit Nagui, amusé par la situation. Et Laurence en rajoute une couche, révélant qu'il a adopté cette manie pour occuper la main. Les deux hommes semblent faire des allusions coquines et ne s'en cachent pas. Ainsi, l'animateur de 62 ans ne s'arrête pas là et balance, l'esprit mal placé, oui, nous parlons de la même chose. Laurence, bluffé par la blague, conclut alors, hilar, j'avoue que ce n'est pas mal. Une belle connexion entre Nagui et le maestro. Rappelons que ce dernier brille sans jamais s'éteindre dans l'émission, lundi 13 novembre 2023, il a remporté sa 30e victoire. En route pour la prochaine.